Ce film a été réalisé en 2010 à la suite d'un voyage au Nord-Vietnam dans le but de voir des ethnies du Nord. Cette carte permet de visualiser notre périple de 15 jours dans le Nord-Vietnam. Après une visite rapide de Hanoï en direction de Hao Binh, où nous avons vu quelques populations thaï, nous avons pris ensuite le train pour Sapa, la touristique Sapa. Puis, en 4x4, nous avons cheminé dans le nord du Vietnam avec Bac A, puis direction de Hadjian, et enfin par les petites routes de montagne où nous avons traversé des villages où le marché se déroulait le jour de notre passage. Nous avons rejoint Cao Bang, puis les chutes, les fameuses chutes de Ban Giok. Bien sûr, nous avons visité la bouillonnante Hanoï, mais ceci n'est pas notre propos sur ce documentaire orienté vers les populations du Nord Tonkin et leurs costumes et coutumes. Alors nous voici dans la province de Hoa Binh, dans une famille Muong. Et les messieurs reviennent des champs, ils ont travaillé dans les champs, et c'est l'heure du repas, et 10h30 environ. Et on consacre la tradition en buvant un verre d'alcool et du thé. Voilà. Et monsieur fume une grande pipe avec, semble-t-il, un tabac assez fort. Voilà une nouvelle adepte de cette tribu Muong. Voilà, le costume est relativement rudimentaire, avec simplement, pour les reconnaître, un foulard blanc. Alors cette dame, évidemment d'une ethnie différente, que je ne connais pas pour l'instant. Mais elle a bien des choses à vendre, elle vient de la montagne. Alors ici, un système traditionnel de séparation du riz et de son écorce, avec ici le pilon. Et à l'autre extrémité, l'eau qui remplit et puis qui vide finalement le récipient. Alors ici, une fabrique industrielle de cure-dents. Une demi-heure après, rebelote. Toujours du thé. Le thé. Et l'alcool de riz. Qui nous est offert par cette dame. Même dans ces villages, le confort moderne est de mise. La télé, le réfrigérateur. Je vais avoir droit aux choses. D'accord. Nous voilà donc arrivés dans ce petit village où on va dormir chez l'habitant. On ne sera pas tout seul, comme touristes, il y en a quelques-uns quand même. Mais c'est la vie de la campagne, avec une petite dame âgée qui ramasse ce qui reste du riz une fois qu'il a été récolté. La campagne paisible avec les paysans qui reviennent des champs, car il est bientôt l'heure d'aller
se coucher. Ici, le riz reste encore à moissonner. Ici, c'est déjà fait et on retourne déjà à la terre pour la future plantation. Et ici, on est en cours de moissonnage. La moissonneuse batteuse, il la tient à la main. Enfin, c'est plutôt la moissonneuse. Et voilà, ça avance doucement. Après les agapes et l'alcool de riz, on monte dans notre chambrette avec notre lit, la moustiquaire, et il va falloir aller se coucher, il est bientôt 8 heures. On est donc allé faire un petit tour dans le village de Maïcho et je découvre quelques fruits bizarres. Ici c'est une fleur, la fleur de thé, qui est comestible. Poisson. Le poisson qui cuit au bord de la route. C'est pour mourir. En tout cas, du poisson, tu meurs. La protection des motards n'a pas de limite. Et le nombre de casques est assez impressionnant. Et tout à fait varié. Il y a même des casques Burberry. Voilà donc la petite ville de Maïcho, que l'on quitte à pied pour une petite balade pour aller voir un village habité par des Thaïs. On a vu hier des champs en pleine récolte. Ici, un champ qui est en cours de labour. Il suffit d'apporter de l'eau et on laboure avec les buffles. Bon, là, la dame, elle laboure pas. Elle est en train d'enlever le reste de la paille qui sera réétalée sur le champ pour qui servira d'engrais. Car la paille dans le temps servait de combustible, mais avec l'électricité et le charbon, on n'en a plus besoin. Voilà donc le village Thaï qui pointe à l'horizon. Avec notre guide et Annie qui a pris la tête. Ici c'est un festin pour les canards. On est pas chinois. Ouais. Guangdong. Pékinoise. Ouais. Voilà une maison de ce petit village, toujours sur pilotis. Et sous les maisons, on retrouve le métier à tisser, la charrette à bœuf. Voilà donc ici la cuisson du riz gluant qui cuit à la vapeur. Avec la dame qui prépare le récipient dans lequel sera servi le riz. Voilà un petit jeune homme qui regarde passer les deux Pékins que nous sommes. Ça les fait souvent pleurer parce qu'ils ne voient pas trop souvent des gens avec de la peau si blanche. Voilà l'artère principale du village. Voilà, après discussion, 150 millions dong pour ces deux objets. Dis-lui que c'est pour ma petite. Ok, elle va. Et de nombreuses maisons ont leur petite piscine avec ce qui est en fait une réserve à poissons. Le marchand d'œufs est ici une vraie star. Tout le village accourt pour pas d'œufs de poussins. Ah,
Là, c'est un véritable festival. Voilà. Qui va courir le long des routes du Vietnam. De retour vers Hanoï, un petit arrêt dans un resto-route où l'on vend à gogo l'alcool de riz. Si vous voulez avoir de la force, on peut boire également de l'alcool de riz avec des lézards ou avec des scorpions. J'avais pas repéré d'autres variétés, il y a également avec les corbeaux, avec les plumes, ou avec le serpent, ce qui est également très délicieux, dit-on. Là, sur la route, un transport de cochons. La folie de la circulation à Hanoï. Une idée du réseau EDF qui ressemble un petit peu à la circulation. Voilà un institut qui permet de... qui semble-t-il dirigé par un médecin, qui permet de faire de l'échographie pour les femmes enceintes. Nous voilà donc arrivés après une petite marche au bord du lac, qu'on appelle le Petit Lac, qui est le lac symbolique de Hanoï, avec la tour qui est le symbole de Hanoï. Voilà une demoiselle qui essaye d'apprendre le français. Je suis désolée, je ne peux pas aller avec vous. Elle veut enregistrer. Pourquoi ? Un accent bien français. Il y a quelque chose que vous avez à faire ce soir ? Nous voilà donc à la gare de Hanoï pour prendre notre train pour Lao Cai. Train de nuit. On traverse tranquillement les voies ferrées. Ça pose pas de problème avec les valises. La préparation de la nuit. Nous avons donc quitté notre train, rejoint un sapa et l'hôtel, et nous nous dirigeons sur une petite route vers des villages de minorités ethniques. Là, tout le monde nous attend. Ça, ce sont des jeunes femmes mongles noires et une femme zao et d'autres. Voilà le costume traditionnel avec ce couvre-chef rouge. Comme ça. Regardez les zao aussi. Qui rase les cheveux sur le front. Voilà. Une vallée alimentée par un fleuve où l'eau y est abondante. Mais les cultures ici ne sont pas des cultures de riz, les rizières ne sont pas irriguées en principe. C'est ce qu'on va voir. Ici, c'est des jeunes femmes qui accompagnent d'autres touristes parce qu'on est entouré de... Et celles-ci sont des mongues noires. On va voir un village mongue noir. Ils parlent pas la même langue que les Zao. Ces jeunes femmes qui montent, qui sont des mongues, elles ont des espèces de chaussettes. Alors que les Zao, comme on va voir. Voilà notre petite compagnie. Ouais. Allez vite, allez vite. Voilà le pont qui permettait d'accéder au village Mong Noir. Arrivé dans le village Mong, les Zao vont nous quitter après qu'on leur ait acheté quelques petites babioles. On voit qu'il y a une intrue avec ses chaussettes noires.
parmi les Tsao, avec les petites boucles d'oreilles. Et le front dégarni et le chapeau rouge. Ou le paysage. C'est ça ce que je dis, oui. Prendre que ça. Ils sont très déçus parce qu'on ne peut pas leur acheter tout leur matériel, évidemment. Alors on est tombé sur la fête de l'école du petit village. Il y a tous les cadeaux qui sont proposés. Pour non seulement Bangladesh mais aussi en Europe. En Europe, les Mongols peuvent. Oui, oui. Pour le reste, paysage, souvent. Le reste, paysage, souvent. À nouveau un pilon pour séparer le grain de riz de son enveloppe, animé par la force de l'eau. Hop, ça se vide et pouf! Caméra. Voilà le centre-ville de Sapa, après les petits villages, où on voit beaucoup de minorités ethniques essayer de vendre leur tissu. Voilà une mongue noire avec son sac à dos, ses bandes molletières. Donc le marché de Sapa. On travaille pendant qu'on vend. Le magasin ne s'arrête pas. Une très jolie jeune fille. Après les tractations pour mes boucles d'oreilles, les femmes font des transactions de tissus. Voilà mes deux copines qui sont pas happy parce que je leur ai rien acheté. Mais elles sont très souriantes quand même. Avec le petit bébé. Petit bébé, c'est acheté. Lido, il est vachement éveillé le gamin. Hein. T'as vu un peu comme il rigole. Voilà une dong. Happy. C'est bon. Avec 20 000 dong. Voilà, je sais pas, c'est des femmes dont l'ethnie est pour l'instant inconnue pour moi. Elles ont un visage très particulier, un œil un peu torve. Mais elles ont un très très beau costume. Et je suis étonné par les boucles d'oreilles, cette fois encore différentes. La sortie de l'école et les petites filles qui partent en mobylette.
Et il y a du monde qui va monter dessus. Et on retourne au village. Alors ce matin, petite excursion sur une rivière près de Coqui, s'appelle la Taille, qui vient de la frontière chinoise. Et c'est un peu bruyant. Hein. Et qui est un affluent du fleuve Rouge. Et là, il y a des pompes pour aspirer le sable du fond de la rivière pour récupérer pour la construction. Cette rivière était très utilisée par les Vietnamiens au temps de la guerre d'indépendance contre les Français, car elle permettait de transporter les armes qui venaient de Chine et permettait de faire véhiculer le riz qui était mis dans des sacs en plastique qui étaient récupérés plus bas. Voilà, nous avons débarqué dans un petit village au bord du fleuve, chez les Hmong bariolés. Donc voilà un exemplaire, si j'ose dire. Je parlais du côté vestimentaire. On a donc une petite famille bariolée. Voilà à l'intérieur d'une maison. C'est d'une rusticité extrême, avec ici les lits. La cuisine est ici. Et ici, le coin où on fait la cuisine pour les cochons. Ils nous montrent leurs vêtements qui sont, comme on l'a deviné, bariolés. Il y a environ 5 couleurs comme ça. Et voilà la petite famille qui est couverte de parfums. Voilà une dame qui vient nous dire bonjour. Comme on peut constater derrière, il y a quand même une antenne parabolique alors qu'on est dans un village vraiment assez perdu. On va donc retraverser la rivière. Les gens ne s'intéressent pas du tout à nous, à la différence de l'Africain. Quand tu rentres dans son village, il vient taper la main, discuter ici. Non, on te regarde à peine. Nous sommes arrivés dans la région de Bac A où l'on verra le marché demain, où vivent les Hmong bariolés ou Hmong fleurs, dont on verra les costumes qui sont extrêmement colorés. Voilà des jeunes femmes, donc des Hmong fleurs, qui retournent chez elles après avoir ramassé du fourrage, viennent avec les animaux. Et ici, dans cette région, ils ont des chevaux, ce qui n'est pas trop fréquent en Asie.
Ici, on est en train d'aplanir le terrain pour construire une nouvelle maison. Il y a beaucoup de monde pour participer au travail. Nous sommes aussi les hormones variolées. Les enfants sont en train de prendre leurs 4 heures. On peut faire une belle maison. Hello. Santé. Santé. C'est le chauffeur qui boit. Les gens qui sont fort modestes et qui travaillent tous ensemble, toute la famille, pour construire cette maison. Et là, c'est l'heure du repas. Tout le monde mange. Après, les gens vont rentrer chez eux pour se coucher ou je sais pas quoi. Voilà, donc on redescend vers Bac A, au milieu des rizières en étage. S'il n'y a pas vraiment de village, les habitations sont très parsemées dans la montagne. C'est cet isolement qui fait sans doute que les gens viennent facilement au marché pour collecter les objets indispensables à la vie quotidienne. 8h du matin, Bac A. Les paysans descendent de leur village pour faire leurs emplettes. Peut-être pour vendre les chevaux, peut-être pour remonter des denrées. C'est un défilé continuel de gens qui se rendent au marché. Choix des laines pour faire des tissages. C'est fascinant de voir toutes ces couleurs et toutes ces femmes venir acheter leurs vêtements. Tout va à l'abattoir ici. C'est par ailleurs l'occasion de se faire coiffer. Ah, celui-là, il va pas tarder à faire du lard. Non, 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 non
Les poules, les canards, les dindons. Le choix du canard est également bien difficile. Si vous voulez un petit chien pour le repas de midi. Donc si vous voulez un petit chien, faut pas vous priver. Ceux-là, je pense qu'ils sont faits pour être élevés. Ici, on passe à la taille supérieure. Est-ce que c'est un bon choix? La négociation du buffle est vive. Voilà une jeune femme qui palabre, d'une ethnie différente, comme on peut le voir au costume noir, bien différent des Hmongs. Alors ici, c'est le restaurant rapide du marché. Ici, la vente d'encens, de bâtons d'encens. Voilà la raison du bruit, Dany. Bonhomme qui essaye de vendre ses rats musqués, ou ses rats, je sais pas quoi. Et toutes sortes de bonnes choses qui se mitonnent. Mais ce sera pas tellement pour moi. Des tripes de cheval, des... Pareil qu'il y a encore du crottin dedans quand ils les font cuire. Il y a toujours quelqu'un pour se mettre devant l'objectif. Ça va être fastidieux à regarder ce film, mais bon. Je regarde plus dans l'objectif que avec mes propres yeux, mais bon. Si on n'est pas tenté par les pâtisseries, on peut toujours goûter du serpent. Et arroser le tout d'une petite gnôle. Spécialité locale, c'est de l'alcool de maïs qui se fait ici. Comme on peut le deviner, le marché aux chevaux. Plus romantique aussi, avec le marché aux oiseaux. Thank you.
Et tout le monde n'est pas encore arrivé. La route est bien difficile et parfois encombrée. Là, notre chauffeur est allé demander son chemin car les pistes... Nous sommes donc en direction de Xinman sur cette piste complètement défoncée. Et Annie a reçu sur son iPhone « Bienvenue en Chine », alors qu'on est quand même qu'au Vietnam. Mais la Chine est à l'horizon. Là-bas, c'est la Chine. Ici, nous sommes arrêtés dans un village car il y a un camion qui est en train de décharger son matériel. Donc là, il y en a pour un petit moment. Voilà, j'ai donné quelques petits bonbons à ces petits bouts de choux, ces petits montagnards, les grandes sœurs qui se cachent. Bon, mais... Montagne. On est donc sur une piste de montagne assez haut située. Et on découvre la Chine à l'horizon. Les champs de riz au premier plan. On voit rien en fait, c'est ça qui est chiant ce truc-là. Voilà l'arrivée sur une petite ville de Xinman, où vivent, je crois, des Hmongs bariolés également. On est un peu bloqué par un camion qui charge de l'osier. Voilà une dame qui se prête à la photographie. Voilà, c'est des jeunes femmes thaï. Ici, c'est des thaï T-A-I. C'est différent des thaï T-H-A-I. Beaucoup d'ethnies. Ici, c'est petit jour de marché pour un touriste. C'est comme sou, mais sou spécial. Donc ici cette jeune femme, c'est une jeune femme, non. Alors je sais pas bien comment ça s'écrit ça. Celle-ci n'a pas un pantalon comme tout à l'heure. On retrouve encore d'autres femmes mon. Après le marché, on a découvert le meilleur restaurant du village.
On a donc repris la route pour Adjan. Toujours très en altitude. Avec des cascades et... Đây là hôm đấy vợ ông Tuấn ấy nó làm một cái loại cá đặc sản em, tức là cá từ cuối năm ra anh phải mời em trước đến nhà anh nhá. Rồi. Le soleil se couche, mais il nous reste encore 80 km. Ça fait une étape un petit peu longue. Départ de Ajian. Avec traversée donc de cette région qui est également bien montagneuse. La paisible campagne du Tonkin. Avec un habitat qui est redevenu, enfin qui reste très traditionnel avec des maisons à pilotis et encore des toits de chaume. Ce qu'on ne retrouve plus partout. Il m'a fait. Hey, come here. Après Bakmé, on a repris la route et la route regrimpe des cols, suit des cours d'eau et recommence inlassablement. Aujourd'hui, c'est 300 km qui nous attendent sur des routes départementales de bas étage. Très beau paysage. Ah, les monts blancs. Avec un costume tout à fait magnifique. Des couleurs invraisemblables sur ce marché. Alors, Annie a donné son bracelet à une de ces jeunes femmes, qui est une Sanchi. C'est chinois. Hein. Les petits cochons dans les paniers sont également à vendre. Belle jupe. J'avoue, je m'en mêle un peu les crayons dans toutes les ethnies de ces montagnes. Bạn
Nous sommes arrivés à Baolac et d'autres ethnies que l'on ne trouve qu'ici, les Lolo people. Lolo, elles sont très connues, elles sont sympathiques. Et ici, il ne passe pas de touristes, évidemment, donc on est accueillis à bras ouverts. On est un objet de curiosité, moi, avec ma barbe. Cette très, très jolie jeune fille a une ceinture et des pièces indiquées Indochine française. Et toutes les clés de ses cadenas. Ben, si tu veux. Voilà Annie qui a un objet de curiosité avec sa montre. On ne sait pas qui est le plus curieux de l'autre. Les lolos. Encore une autre coiffure. Il y a un travail ethnologique invraisemblable à faire dans ces montagnes. J'ai pas l'impression qu'il y a des belles couleurs, Jean-Jacques. Ah bon, l'homme. Alors ici, ce sont des filles Sanchi. Sachi. Difficile à prononcer tous ces noms-là. Ah, c'est une jeune fille thaï cette fois. Compliqué, hein. Ici, c'est le quartier du commerce des bestiaux, comme on peut le deviner. Je vais me faire écraser dans un instant. Le repas familial sur le marché. Ce sont donc des manes, des femmes manes ou sanchi. Qui mangent le boule. Les nouilles qui mangent des nouilles. Oui, des nouilles spéciales qui s'appellent boule. Au milieu de ce festival de mobilettes, l'élégance des loulous. Sur la route, encore quelques femmes loulous à qui on donne quelques gâteaux pour justifier les photos en partie. À nouveau, paysage de rizière un peu embrumé. À destination de Kaobang. Il ne gare les filles. Ici, on voit des maisons caractéristiques des ethnies minoritaires.
avec le double toit. On s'est donc arrêté à un col qui s'appelle ici la Porte du Ciel. Et on y voit quelques dzao rouges dont on reconnaît le front complètement rasé parfois, comme là-bas. C'est des populations dont les coutumes vont totalement disparaître dans quelques années. Alors, on va prendre quelques oranges à cette dame qui vient de les peser. Cao Bang, 6h du matin. Il y a déjà du monde au boulot. Le marché est au pied de l'hôtel et ça s'entend. De bon matin, on attaque le marché de Cao Bang avec ses stands de charcuterie. Donc on a trouvé la pipe pour la collection. La préparation de l'ananas. Comme à Niort, les gens viennent de la campagne pour vendre leur production. Comme le reste, la préparation de la crevette est fastidieuse au ciseau. Ils doivent les bouffer, regarde, tiens, avec les baguettes. Oh là là. Des abeilles ou des guêpes à manger. Faut essayer pour voir. L'écaillier et le poissonnier travaillent de façon un petit peu plus rustre que ce dont on a l'habitude. Et petit chien. Alors on ne sait pas très bien si la dame veut en acheter un pour le manger. Peut-être du riz. Le problème, c'est qu'ici on circule en mobylette, en moto et avec des palanches, un peu le bazar. Voilà une marchande de chiens avec une tatoune. C'est un commerce très important ici, le marché du chien, car pareil, c'est tout à fait délicieux. Dans cette grande ville, ici il n'y a pas encore la circulation impressionnante de Hanoï. Quant aux touristes, on n'en voit pas beaucoup, je dirais même plus, on n'en voit pas du tout. Sur la route de Bangkok, un arrêt dans un village de forgerons. La franco-vietnamienne n'est pas terminée. Voilà l'objet sur lequel j'ai fait mon choix. Mais la France est éternelle. On voit cette dame qui vient d'acheter un magnifique matelas Dior. Nous sommes donc dans une petite bourgade où il y a bien sûr un marché où toute la vie se concentre par les achats, les rencontres
Alors ici, une des ethnies, c'est les Nong. Même notre guide se renseigne pour savoir de quoi il s'agit. Ouais, elle explique le code vestimentaire des Nong. Voilà la dentiste du coin qui vous propose toute sa gamme de canines incisives et molaires. On me dit que je peux entrer ici à faire pipi, il est gentil lui. Hein. C'est possible. Très pratique pour faire son marché, le panier à canard. Difficulté quand même de monter sur la moto derrière son mari avec la balance, les deux paniers. Ici, on garde son casque parfois pour faire ses courses. Il y a aussi le panier à cochon. On peut observer ces massifs quartziques qui sont caractéristiques de ces régions entre la Chine du Sud et le nord du Vietnam. On retrouve également à la baie d'Along et puis à la baie d'Along terrestre à Ninh Binh. Un transport de chèvres. Il vaut mieux pas être une chèvre au Vietnam. Le restaurant a été choisi. Le cuisinier est au fourneau. Après 2 heures d'une route bien difficile, à une voie avec des camions qui vont en Chine, on arrive aux fameuses chutes de Ban Giok. Mais qui, je crois, ne comporte actuellement pas beaucoup d'eau. Voilà donc les fameuses chutes qui sont représentées en photo dans de nombreux restaurants vietnamiens, notamment en France. Ce fleuve fait la frontière avec la Chine, les montagnes à l'arrière étant actuellement appartenant à la Chine, alors qu'elles étaient vietnamiennes précédemment. Nous voilà embarqués sur un radeau de bambou. Pour s'approcher de la chute et pour être tout trempé, je pense. Ce qui est étonnant, c'est la couleur verte de l'eau. En effet, on voit les chutes de Ban Giok de plus près. Il y a des touristes chinois de l'autre côté. Annie, dans l'autobus pour Ban Giok. Comme un symbole, on est 2 sur notre bateau et les Chinois, ils sont 10 milliards. Notre voyage n'est pas terminé, mais le film va cesser, en effet. Le reste du voyage ne concerne plus les régions montagneuses avec toutes ces ethnies, mais des endroits plus touristiques
comme cette magnifique baie d'Along.